Salut à tous, c'est Aquila, on se retrouve exactement là où on s'était laissé, c'est normal, il s'est passé à peine 20 secondes entre le dernier épisode et celui-là, enfin pas moi en tout cas. Mais oui, il s'est passé 3-4 jours. Et j'ai très très envie de voir la suite, donc en général j'essaie de me restreindre à un ou deux épisodes par session. Là ce sera une session 2, hein, parce que je suis vraiment trop impatiente de savoir ce qui m'attend par la suite. Voilà. Donc nous avons pénétré le sanctuaire de l'homme métier et j'ai plus de flèches. Oh! Oh, elles sont où les flèches? Elles sont où les flèches? Elles sont où? Elles sont là! Donc, en lisant entre les lignes et en résolvant des énigmes absolument incroyables qui consistaient à attendre 2 jours sur un banc, on a enfin pu trouver le sanctuaire de l'aube mythique. J'ai été découvert. Ah, zut, il fallait y aller en fufu. Bon. Désolé, non. Allez, hop, on y retourne, en fufu. En fufu total. Totally fufu. Tu ne me vois pas, je suis un. Une ombre dans la nuit. Je suis un effet de ton imagination. Fou! Je suis un souffle de vent glacé dans le blizzard. Je suis un rocher! C'est le rocher, Kylan, c'est le rocher. Non, il m'a vu en fait, hein. Mais il se pose pas plus de questions que ça, mais il m'a vu. Bon, et ben on va y aller en mode bonjour. Salut, salut, je viens. C'est ici L'aube pointe. la barbe. Ouais, moi aussi je. Enfin, non, attendez, oubliez ce que je viens de dire. Saluez le jour nouveau. Bienvenue, sœur. Soir. Il se fait tard, mais le maître a toujours besoin de vous. Vous pouvez entrer dans le sanctuaire. Haro va vous conduire jusqu'au maître afin que commence votre initiation au service du seigneur Dagon. Je suis un mage en double. Pas en chemin. Le temps des préparatifs est presque révolu. L'heure de la purification est proche. Ok, alors suivons ce cher Haro. Y a pas des trucs à voler? Allez hop, on y va! Oui, rejoignons une secte! Je suis C'est Haro, moche, ouais, c'est gardien du moche. sanctuaire de Dagon. En suivant le sentier de l'aube, caché dans les écrits du maître Mankar Camoran, vous avez mérité une place parmi les élus. Merci, j'ai travaillé vous dur pour arrivez ça. À un moment propice. Vous allez avoir l'honneur d'être initié au sein de l'ordre par le maître en personne. Oh, c'est chouette. En tant que membre de l'ordre de l'aube mythique, vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin par la bonté du maître. On va me donner du maître, donnez-moi en vos plus, ça c'est possessions cool. et enfilez cette robe d'initié. Je te donne que dalle. Quoi? Je dois vous prévenir que personne ne quitte cet endroit sans se joindre au service de... Mais je suis sûr que vous changerez d'avis. Vous avez fait vos preuves. Je vous le demande pour la dernière fois. Très bien. Suivez-moi. Je vais vous emmener au sanctuaire. Inquiète-toi. Ah bah ouais. Ah bah oui, j'ai l'air vachement intelligente là tout d'un coup. Donc j'ai plus rien, c'est ça, mais alors genre plus rien du tout. Bah oui, mais oui, mais voyons. Mais allons-y, mais c'est génial. Je me suis fait complètement pouiller. J'ai pas rien pour me défendre si ça tournait mal. J'ai même plus de torche. Pas moyen de voler une torche. À moi. Moi. J'y vois que dalle! Tu fais un sort pour ça? Pouf. Comme le feu, toi. Voilà, donc il faudrait que j'apprenne des Salut sorts, le moi. jour qui se lève, ma sœur. Salut le jour qui se En lève. quoi puis-je vous aider? T'aurais pas une torche? Il faut achever votre initiation avant que nous puissions continuer d'évoquer le sujet. D'accord. Tu Le peux me dire maître quelque prêche chose, à hein? l'intérieur du sanctuaire en ce moment même. Vite! Ne ratez pas cette chance d'entendre les paroles du maître. Ce serait dommage. En quoi puis-je... Tu peux me dire quoi sur Cela fait Meryl de Dagon? longues années que nous nous préparons à la venue du seigneur Dagon. Vous arrivez au meilleur moment. Comme toujours. Le maître nous a promis que le temps des préparatifs était presque terminé. Ouais, l'autre me l'a déjà dit. Il faut achever votre initiation avant que nous puissions continuer d'évoquer le... D'accord. Juste une Loué torche, il soit faut le rien. seigneur Dagon,
L'heure Pensez à de mes la pauvres petits purification viewers. pointe. Oui, comme ta mère. Voilà, tu voudrais pas me filer une torche? Par le plus grand des hasards. Saluez le jour qui se lève, ma sœur. Mais c'est grand ici. Porte en bois difficile. Bon, de toute façon, j'ai pas de crochet, je suppose, hein? Évidemment. Est-ce que j'ai un jour une chance de revoir mon équipement ou... L'aube pointe. Oui. Arrêtez de dire cette phrase si vous voulez que j'arrête de faire des blagues dégueulasses. Ouh. Où est-ce soit-il? Le trône de dragon. Bon, j'y vois que dalle, moi. On me loue pas, moi. Je suis pas à vendre. Fais-moi. Loué soit-il. Loué soit-il. Amen. Bien, bien, bien. Bon, allez, hein. Et seront Le éternellement paradis m'attend. supérieurs au commun des mortels. Imhotep. Saluez le jour qui Imhotep. se lève, ma sœur. Quant aux Salut. autres, les faibles Alors, c'est disparaîtront, toi le les triple timides seront connard. abattus, et les forts imploreront ma clémence, agenouillés à mes pieds. Je m'agenouille. Ainsi a parlé le Seigneur Dagon. Ainsi a Loué parlé le Seigneur soit-il. Dagon. Loué soit-il. Votre Maîtresse d'infiltration. récompense, frères et sœurs. Récompense, L'heure argent. de la purification approche. Je m'en vais maintenant vers le paradis et j'en reviendrai avec le seigneur Dagon quand l'aube se lèvera. Saluez le jour qui se lève, ma sœur. Salut. Je peux avoir du stuff. Oh. Oh. Oh putain. Même Carcamoran a fui dans son royaume du Praly avec l'amulette des rois et a refermé son portail magique derrière lui. Le Mysterium Xarcès se trouve cependant dans le sanctuaire. Il faut que j'y récupère le Mysterium Xarcès. C'est mon seul espoir de retrouver l'amulette à présent. Ah bon? Oui, tu me l'as déjà dit. Mon personnage a Nous besoin de avons une pigeons nouvelle pour sœur qui souhaite entrer au service du seigneur Dagon. C'est moi? Avancez, initié. Oui? Loulou. Salut. Oh. Vous êtes venu vous consacrer au service du seigneur Dagon. Ce pacte Parfaitement. doit être scellé avec un liquide rouge, le sang des ennemis du seigneur Dagon. Ah non. Prenez la dague et offrez au seigneur Dagon le liquide rouge en témoignage du sang de votre propre vie qui Ah sera non, 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 scellé non, à mais la moi je fin. mange pas là-dedans, moi. Je sacrifie pas des vierges. Ensuite, le seigneur Dagon. Vous n'échapperez pas à la vigilance du maître. Oups. Attention, Ah! le seigneur Dagon. Ça part mal. Espèce de sale paquet. Comment osez-vous me voler? Ça partait mal. Bon. Je vais refaire tout le chemin et on se retrouve au même endroit et je saurai qu'il faut sacrifier un lézard innocent. À tout de suite. Alors, je vais tenter un truc. Quand j'arpenterai de nouveau la surface de Pour le Tamriel, seigneur les Dagon. fidèles Pour le recevront seigneur l'objet. Dagon. Ah, je suis mal Oh, barré. les dieux que Ah, je suis mal barré. Ah, c'est une connerie. Ah, que je regrette. Ah. Oui, ça je sais, oui. Meurs incrédule! Ah! Les arbres, fais quelque chose! Je vois rien!
J'ai pas un truc magique qui pourrait faire l'affaire, non? Bon, on va faire scope. Ah! J'aurais dû jouer mage. J'aurais dû jouer mage, je le savais. Ah merde, ils ont tué le lézard. Allez, on se sauve, on se sauve. Oui, oui. Aïe! Bon, je crois qu'on est d'accord pour dire que j'ai quelques difficultés à passer ce moment. Mais genre quelques difficultés vénères, genre j'ai pas du tout le niveau. Bon, alors je sais que je suis une loutre, hein, ça je suis totalement au courant. Vous pouvez me le rappeler en commentaire si ça vous amuse, mais je suis quand même au courant. Mais enfin, même à côté de ça, j'ai quand même pas le niveau pour cette putain de quête. Donc, Je suis désolée, mais juste pour ce passage, je crois que je vais me mettre en difficulté minime. Parce que sinon, je pourrais jamais le passer, quoi. Ça fait... J'ai dû vous faire un petit best-of de mes pierres mortes, mais ça fait quand même 1h30 que je suis dessus, hein. Voilà. Donc, là, je commence à fatiguer un chouïa. Je dois vous avouer. J'en ai marre. Voilà, c'est tout, hein. On peut dire ça comme ça. J'en ai... Ah, j'ai ras le bol. Hein? Toi aussi, j'ai ras le bol. Hein? Tu meurs en boucle. Mais oui, allez, ça va sauver la vie de tout le monde. J'ai été découvert. Tiens donc. You don't say. Mais oui, vas-y. Voilà. Et voilà, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Tout de suite, c'est vachement plus simple. Hein, hein mon grand? Qu'est-ce que t'en penses, portier? Voilà un nom qui n'est pas commun. Portier, qu'est-ce que tu portes, portier? Alors, McFly? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Non, ici, j'ai déjà fouillé. Oui, j'ai déjà fouillé. Peut-être se mettre en fufu pour la suite. F5, parce que moi, personnellement, je trouve que j'ai vachement avancé. Porte ouverte avec clé sanctuaire d'Agon. Voilà un nom qui impose le respect. Clé sanctuaire des gones. Parce que les prépositions, c'est surfait. Non, c'est même pas des prépositions. Ah, je suis nulle en grammaire. Je suis nulle au jeu vidéo, je suis nulle en grammaire. Je vois pas pourquoi vous regardez des vidéos où je joue et où je commente en direct. Franchement, il va falloir que vous m'expliquiez, les gens. Qu'est-ce que vous faites sur cette chaîne? Vous êtes en train de rater votre vie. Il y a des choses à faire dans mon extérieur. Je sais que vous avez des devoirs à finir. Allez, oust! Oust! Qu'est-ce que tu fais encore là? Je t'ai dit, les boss. Ah! Et toi, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as rien à faire là, toi? Toi, tu vas mourir, toi? Mais oui, tu vas parfaitement mourir. Avec une flèche. Dans le. Il m'a pas vu. Sérieusement, il m'a pas vu? Je vous l'avais dit, je suis une ombre dans la nuit. Pif. Ah! Ouais, comme ta mère. Je sais pas pourquoi, mais je vois que des messages, Céleste. C'est ça, arpenter le monde. Ouais, le temps des préparatifs est révolu. L'étalon qui chevauchera le monde est arrivé. Hop. Headshot. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Il y a mon chat qui miaule dans le fond, voilà, ça c'est bonus, ça me fait plaisir, c'est totalement... Non, je vais pas dire que c'est totalement gratuit. On va encore me taxer de plagiat. Hein. Ah! Qu'est-ce que tu fais là? T'es qui? Qu'est-ce que tu veux? T'as rien à foutre là? J'aime bien le type... Hein? Un cadavre? Je vais faire le gars de l'autre côté. Ma souris est encore une fois trop sensible. Ouais, bah heureusement pour toi, parce que t'es mort. Je n'ai pas peur de la... Eh, écoute, tant mieux pour toi, je me sens beaucoup moins coupable, comme ça. De t'avoir lâchement transpercé le poignet. Il est mort d'une flèche dans le poignet. Écoute, hein, on a la mort qu'on mérite. Un peu plus et je te mettrai à poil. T'en penses quoi, monsieur garde de l'aube mythique?
un nom sexy pour un homme. Sexy. Par contre, j'ai aucune idée d'où est-ce que je dois aller parce que c'était la dernière fois en fait que j'ai joué une heure et demie. Là, je commence une session parce que figurez-vous que j'en avais eu ras-le-bol de mourir en boucle. Non. C'est vachement bizarre quand même. C'est là. Personne ne m'a vu. Et vous savez pourquoi personne ne m'a vu? Parce que je suis une ombre dans la nuit. Ah, personne ne siège sur le trône d'une reine. Quoi? Il veut louer sa sœur? Mais c'est dégueulasse! Est-ce que c'est légal? Oui, oui, c'est ça. Est-ce que c'est légal seulement? Est-ce que je peux le faire, votre ami? Je ne peux pas. Tout le monde s'en fout, oui, c'est ça. D'accord, tout le monde s'en fout. Allez! Mais. Voilà, changement rapide. Parce que tout le monde s'en fout, mais enfin, quand même, faut pas trop pousser la chance. Mais non, c'est rien. Les pauvres timides, ils ont rien fait. C'est cruel. Pourquoi battre les timides? Moi, j'aime bien les timides. Yahoo. Alors ça, on l'a déjà vu, mais pas de ce point de vue-là. Mais personne n'est là, c'est le seigneur Dagon qui fait du vent derrière les piliers. Il prépare son entrée. Ah, c'est ça, toi t'as la tête en feu. C'est normal. Oui, mais non. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Oui, ça, je sais. Pourquoi il me court dessus? D'où tu m'as vu? Mais d'où tu... Pour le seigneur Dagon. Mais d'où il m'a vu, lui? Voilà, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Et les autres sont beaucoup trop désabrutis. On va avoir grillé, c'est parfait. Toi, tu vas mourir, t'es le prochain ou la prochaine sur la liste difficile, plus précise sur ton sexe à présent. J'espère que tu m'en veux pas. Casser la gueule? Non, c'est bon. Hi, je suis caché. Toi, tu es décédé, voilà. Avec les compliments de la maison, je sais pas pourquoi, c'était la punchline la plus pourrie du monde. C'est bon, les sous-marins? Personne n'a rien grillé, non? La grande invocatrice, la mort des ténèbres et des petits oiseaux tueurs de lapins? Non. Toi, t'es vivant ou t'es mort? T'es mort. Oui, alors lâchez le prisonnier. Salut! Vous n'échapperez pas à la vigilance. Je m'en fous! J'ai des sandales tressées! Qui m'a grillé? Pourquoi j'ai été grillé? Seigneur Dagon accueillera bientôt votre âme en Oblivion. Oui? Qui a dit ça? Ah oui, tiens, je suis... Oula! C'est vachement satanique. Il n'y a que deux pages! J'ai fait tout ça pour deux pages! Bon, allez, on va le prendre quand même. Qui m'attaque? Mais non, il n'y a pas de voleur. Ah! Faudrait penser à construire vos statues en autre chose que du paquet de foie, ce serait une bonne idée. Puis y a pas de voleur. Y a pas de voleur, y a pas de lézard. Ah non. Ah, ah, tout va mieux parce que ma torche n'est pas en main. Ah, t'es mort? T'es mort de quoi? Il a fait une attaque. Ok, il est mort d'une attaque cardiaque.
Lézard. 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 Il est où ce con? Lézard. T'es vivant? Ah bah il s'est cassé sans moi. Ok, merci, sympa. Non mais je note, hein. Les argoniens, de toute façon, hein. Moi, je veux pas faire du racisme, mais les argoniens, hein, on en pense tous la même chose, basiquement. Franchement, vous connaissez quelqu'un qui joue argonien? Vous, la seule personne que je connaisse qui joue argonien, c'est Luna. C'est dire si la personne est pas saine d'esprit, quand même. Ça peur tout vrai, d'ailleurs. Mais carrément, mais oui, mais ça y est, je suis bloquée dans le sanctuaire, mais bien sûr. Mais oui, cette porte ouvrière. Évidemment. Et ailleurs, c'est où? Bah, j'en sais rien. Parce que ça aurait été beaucoup trop simple. Que j'arrive à m'enfuir correctement. Oh, c'est par là. Bonjour, monsieur, dame. Voilà, je me sens quand même vachement plus en sécurité avec mon katana. Personne. C'est le chat. Miaou. Miaou. Ce devait être le vent. Allez, dis-le avec moi. Ce devait être le vent. Vous n'échapperez pas à la vigilance du maître. Bah oui, mais bien sûr. Mais le maître, il est parti dans un coup de feu de je sais pas trop quoi. Ton maître, il vous a lâchement abandonné. Oh! Marche sur l'eau! Sur soi! Je suis, Oui, c'est Jésus. Jésus! Oui, parce qu'en plus d'être une PGM. Oui, j'échapperai pas à la vigilance de qui déjà? J'ai pas bien compris. Voilà! Ah, elle a un poireau. Elle avait un poireau. Je massacre tout le monde. C'est normal, c'est un Elder Scroll. Je ramasse des babioles. En sauvant le monde. Cette rime est proprement immonde. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? Pouf. Oh, une note. Allez vers le nord pendant 1 heure environ. Vous verrez des arbres morts. Dirigez-vous vers le nord-est jusqu'à ce que vous arriviez à l'eau, remontez la rivière. Sa maison n'est pas loin. Attention aux ours. Ok, une carte au trésor. Jamais carte au trésor. On fera ça après, promis. Le truc qui a le moins d'intérêt du jeu, c'est ce que je préfère. Mais ça, j'avais déjà regardé, je m'en souviens maintenant. Guérison mineure. Allez, prends. Ça, c'est quoi? Daglier. Oh! Liste de courses. Voilà un papier important, il ne faudrait pas passer à côté. De la bière. Beaucoup de bière. J'aime ce type. Ta nouvelle shop. Suffisamment de fruits pour 12 personnes, quoi? Des fruits avec de la bière, mais ça va pas! Mais il faut des cacahuètes et du saucisson noisette. Une miche de pain et du sanglier rôti. Et oui, d'accord, mais écoutez, on va prendre ça, je pense que c'est ce qu'il faut pour sauver le royaume. Où je suis là? Mais où elle est, Aquilon? Elle est partie où, Aquilon, encore? Capuche mythique, ça va, j'en ai déjà 27. Oh, allez. Hein, allez, soyons fous, prenons une torche. Une tasse marron, non merci, un couchage, on verra plus tard. Je ne couche pas n'importe où. Hein? Potion de disparition. Oh! Non, dissipation. Ah non, bah non, d'un coup, c'est vachement moins intéressant. Une caisse. Parce que de toute façon, j'en fais toujours des caisses. Non, sérieusement, ça n'a rien de mieux à faire que de regarder cette vidéo. Allez hop. Réduction de magie, rien à foutre, je le revendrai. Où je suis? Pilio, mon pote lézard. Salut pour le seigneur Dagon. Ouais. Pour qui? Et l'autre là-bas il reste planté comme un. Ah! T'avais des trucs. Je l'ai vu. T'avais un oignon. Tu veux l'oignon? C'est bon les oignons. Ah!
C'est le même mec que celui que je viens de fouiller. Ah oui, voilà, il est là. Salut. Un oignon ou une pomme. Je suis sûre qu'il y a moyen de faire un super bon plat avec ça. Des oignons un peu caramélisés confits. Puis à côté, vous faites des pommes à la poêle. Des pommes caramélisées avec. C'est super bon. Et avec ça, vous faites un magret de canard. Et là, ça peut être super. Mais ça va pas de me tuer comme ça, là. Non mais oh. Eh non mais il se croit où, lui? Nos bases de liberté. Je suis un elfe libre. C'est un lys? Oh, c'est carrément... C'est carrément Heroic Fantasy. Je vais dormir sur un hôtel dans un temple de démons, hein, de sectes démoniaques. Et je vais vous retrouver dans l'épisode suivant. Moi, je trouve que c'est complètement... complètement quoi, d'ailleurs? Complètement miaou, voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais. Merci Titou. Et bien écoutez, on va laisser Titou conclure cet épisode à ma place. Donc écoutez, miaou, miaou, miaou. Si ça vous a plu, cliquez sur le miaou. Et n'hésitez pas à miaouter. Mais miaouter couvert quand même, hein, bande de petits sécripants. Je vous connais. Et en attendant, à la prochaine fois. Hey, ciao, ouais, je vais me reposer sur un hôtel en pierre au fin fond du centre de la Terre.